Yo les potes, and Q, avant que la vidéo commence, j'aimerais vous dire que ça fait 7 minutes que j'enregistre, que je vous montrais mon casier. Sauf que je vous montrais tout un par un et c'était grave long, je pense que ça vous aurait fait chier. Du coup, j'ai recommencé la vidéo, je vais vous montrer très rapidement. Et voilà. Du coup, c'est parti. Avant tout, j'ai mis un post sur l'onglet communauté, vous avez été 21 à voter, donc 80% pour que je vous montre mon casier. Donc, je vais vous le montrer. N'hésitez pas à liker les posts et voilà. Donc c'est parti, les écrans de chargement on s'en fiche, je vous montre juste les rares animés, séries DC, séries Live et séries Marvel. Hop, ensuite, dans les musiques, j'en ai pas acheté il me semble, à part celle-là parce qu'elle ne ressortira plus jamais. Il y en a gratuite dans les défis évidemment, et il y a aussi celle-là, celle de Batman que j'ai acheté. Ensuite, dans tout ça on s'en fiche, j'ai pas les bannières niveau 100, mais j'ai celle niveau 300 de la saison dernière, j'ai plein de tags, plein de trucs exclusifs, etc. J'essaie de sauver le monde et aussi les standards. Au niveau des camouflages, j'avais acheté tous les camouflages verts à l'époque. Donc regardez, j'en ai plein. Hop, j'avais. Il y a quoi d'autre aussi? Je m'en rappelle plus trop. Ça, ça, ça. Ça, etc. Et dans ce que j'ai, il y a la série Ombre, série Lave, série Sombre. J'ai le revêtement de Kevin et la tempête. Et dans mes favoris, il y a les plus rares. Donc on a ceux des symboles. Ça fait un an qu'ils sont pas sortis. Celui-là pareil, un an, pareil, et celui qui ressort à Saint-Patrick, un an, hop. Et les gars, je vous banne maintenant, enfin je vous supprime de la liste d'amis quand vous m'invitez, ça me casse les couilles, hop. Ah mais il y a encore quelqu'un qui m'invite? Si vous me réinvitez, je vous supprime, c'est un peu énervant. Ceux qui spam les invites, je vous supprimerai tout le temps. Alors les danses, je vais pas vous montrer, j'ai plein de danses vertes, mais la flemme de vous montrer. J'ai le tag de la Paris Games Week, la Game Jam, etc. Là, c'est la série Marvel. Hop. Là, c'est la série de Marshmello. Batman, DC Comics. Avec la danse que j'ai achetée dans la boutique. Hop, le tag World Cup. Après les danses, bon, je vous montre vite fait comme ça, vous regardez. Mais j'ai un peu la flemme de vous montrer. Parce que sinon, ça va être 3 ans et c'est pas ce que vous avez envie de voir. Je vous montre juste mes danses les plus rares qui font un an qu'ils sont pas sortis. Hop, celle-là était gratuite. Et voilà, les 4 là, ça fait un an. Attendez, je remonte. Boum. J'ai la danse de ninja que j'ai pas acheté, que j'ai eu gratuitement. Hop, Star Wars. Et après, bon, je vous montre pas. Ça vous intéresse pas, je pense. Au niveau des traînées, il y a la série sombre comme ça. Et celle gratuite, épique à Noël. Sinon, voilà, ben. J'en ai plein, mais j'en utilise pas. Je mets tout le temps à elle. Hop. La galaxie. Au niveau des planeurs. Alors j'ai tous les planeurs top 1 sauf celui Flocon malheureusement. J'ai même celui de Sauver le Monde. J'ai aussi celui du Roi de la Tempête et John Wick. Sinon tous les autres c'est les saisons. Ça c'est le planeur Sauver le Monde. Et ce planeur c'est le nouveau sauf que regardez il penche vers la droite comparé aux autres. Ça me stresse un peu. Au niveau des planeurs. Alors j'ai acheté celui-là. Ça fait un an qu'il n'est pas sorti. Tous les autres que je vous montre pas c'est les passes de combat. Ça c'était un pack. Le pack froid éternel, je crois il est toujours dispo d'ailleurs. Ensuite, on a le marshmallow que j'ai acheté dans la boutique. Plutôt stylé, ça fait un an qu'il est pas sorti. Le Catwing qui était gratuit de Batman. Et le Batwing que j'ai acheté dans le pack Batman. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Le petit planeur PS4, juste ici. Le planeur des catcheurs, un an qu'il est pas sorti. Ensuite, un autre planeur PS4. D'ailleurs, les packs PS4, je les ai presque tous, sauf les deux derniers, parce que j'ai revendu ma PS4, malheureusement. Hop, ce planeur, c'est dans des défis. Lui aussi, il me semble, à gauche. Hop, celui-ci, un an qu'il n'est pas sorti, il était gratuit à la Saint-Valentin. Hop, celui-là que j'ai acheté, deux custom, juste pour changer les lettres au-dessus. Le planeur Carpellé, hop, que j'ai acheté, évidemment. Le Vice-Roi MK1. Ça fait un an qu'il n'est pas sorti, pareil. Le premier planeur où on peut monter dessus, mais ça c'est dans le pass de combat. Ça c'était dans les défis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Celui-là il était gratuit pour un événement. Ça c'était PS4. Là on s'en fiche, pass de combat. Ça c'est le planeur gratuit de Star Wars. Ça je sais plus comment fallait faire pour l'obtenir. Je sais plus du tout. Hop, celui-là. Marvel dans les défis. Le premier planeur à 2000 V-Bucks que j'ai acheté. Je le trouve plutôt beau. Et les deux planeurs légendaires des passes de combat.
D'ailleurs, il y a marqué un petit défi, mais ça doit être un bug puisqu'il n'y a pas de custom. Sinon, moi je joue que les planeurs comme ça et surtout celui-là en ce moment. Au niveau des pioches, alors j'ai la nouvelle qui est sortie aujourd'hui, Sauver le monde, celle-là qui sort à Noël, ça c'est des défis, ça c'est Sauver le monde aussi, celle-là je l'ai acheté, 500 V-Bucks, pareil pour la pelle, ça c'est dans les défis de Fortnite, des 2 ans de Fortnite, celle-là je l'ai acheté, c'est la pioche de John Wick, celle-là je l'ai acheté aussi, assez stylé, j'aime bien. J'ai aussi acheté celle-là, la pioche des ninjas, celle de Shifu, le petit glaçon, Force brute, un an qu'il n'est pas sorti, Sauver le monde, Sauver le monde, Sauver le monde, Sauver le monde. Ça c'est aussi, je l'aime bien, pioche de rugby. Et celle-là aussi, un an qu'il n'est pas sorti dans la boutique, c'est ma plus rare, passe de combat, ça c'était gratuit, passe de combat, bon je vais pas vous montrer les passes de combat, ça c'était dans les défis. Celle-là, un an qu'il n'est pas sorti, le petit basketteur. Celle-là, 4 custom en 4 couleurs, très stylé, que j'ai acheté. Tout ça, on connaît, pioche gratuite. Celle-là, il me semble que c'était soit dans un pass de combat, soit des défis. Ma petite pioche omnisciente, ça on s'en fiche, pass de combat. Tout ça, pass de combat, pass de combat, pass de combat. Celle-là, qui sort à la Saint-Valentin, très sympa. Tout ça passe de combat. La faux qui sera Halloween. Le pack à 5€. Celle-là qui est sortie au truc des Chinois, je m'en rappelle plus. Le pack froid éternel. La petite pioche bec doré des fermiers. Hop, celle-là, le starter pack à 5€ en ce moment. Ça c'était dans des défis, il me semble. Ensuite, il y a la pioche double de série comment. Série ombre, la même en série lave. Ensuite, la pioche marshmallow avec des défis. La série glaciaire, comme ça. Tout ça, passe de combat, passe de combat, passe de combat. Hop, la petite pioche PS4. Tout ça, on connaît, passe de combat. Ok, faut pas que j'en loupe. Celle-là, il fallait faire partie des meilleurs dans un tournoi en Asie. Donc, j'ai gagné. La pioche du requin qui est un petit peu buggée, j'ai l'impression. Ok, que j'ai acheté. La Minty, la plus belle. Une des plus belles. Celle-ci, okay, que j'ai acheté également. La même que tout à l'heure en série sombre. Et la pioche Batman dans le pack Batman. Ok, du coup, moi je jouais laquelle en ce moment celle-là, parce que je l'ai acheté aujourd'hui. Ensuite, dans les sacs à dos. Hop, alors, j'ai tous les sacs à dos à 200 V-Bucks normalement. Donc celui-ci qui est. Par sortie depuis un an, pareil pour lui, ils sont ensemble, c'était la fête nationale. Non, pas celui-là, qu'est-ce que je montre. Celui-là, 200 M-Buck, il est sorti il y a pas longtemps. Celui-ci, pareil, un an qu'il n'est pas sorti, c'est à la Saint-Patrick. Celui-ci, pack fermier, ça fait un an qu'il n'est pas sorti. Mais alors, comparé à lui, qui est tryhard, il est... eux deux, en fait, c'est le même pack, sauf que lui, comme il est tryhard, Epic Games le ressort tout le temps, comparé à lui, qui ça fait un an qu'il n'est pas sorti. Ça, je sais plus trop si c'était des défis ou pas. Le petit canard des défis. Ça c'est le sac à dos d'aujourd'hui que j'ai acheté. Ça c'est le sac à dos qui va avec la Ghoul Trooper. Le sac à dos à 200 E-Bucks d'aujourd'hui. Passe de combat ça après. Après les sacs je vais pas vous montrer. Ça c'est Starter Pack, PS4. Ça un an qu'il est pas sorti, c'est avec le skin Nvidia. Sac à dos Pascal, le skateboard. Ça, je vous montre vite fait. Ça. Bon. Là, je passe vraiment vite fait, on s'en fiche. Hop, les séries glaciaires, Batman. Starter Pack, ça c'est. Il est pas sorti depuis longtemps, je devrais peut-être le mettre en favori celui-là, hop. Ça. Un an qu'il est pas sorti avec Pack. Moi, je vous montre vraiment vite fait parce qu'on s'en fiche, voilà. Hop, un an pareil, bim bim, les ailes. Hop, Star Wars. Hop, on sent clairement, on s'en fout, je vous ai montré vraiment vite fait. Parce qu'en fait, les sacs à dos, bah ils vont avec les skins. Hop, d'abord, je vais remettre le sac à dos, boum, celui-ci. Et au niveau des skins, que je vais vous montrer dans la vidéo juste après. Voilà, donc là, je vous ai tout montré au niveau de mon casier. La vidéo dure 10 minutes, c'est grave long, ça me saoule un peu. Donc voilà, sinon je suis niveau 952, voilà tous mes défis de carrière que j'ai tout fait. Au niveau du compte, c'est toutes les saisons en gros.
Code créateur inscrit dans la boutique, vous oubliez pas. Et sur ce, à plus, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous montrer mes skins dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!